Géraldine, c'est un début de journée que je qualifierais de tristounet. Oh, Mossad, oui. Ouais. Ben, faut pas être triste. On peut s'amuser dehors, semaine de relâche, sauter dans les flaques d'eau, pourquoi pas. Écoute, on n'a plus le même genre d'activité auquel on avait droit dans les dernières années pour la semaine de relâche. Pas de neige à l'horizon. Aujourd'hui, des averses, donc de la pluie. Déjà hier, quand même, ça a touché plusieurs régions au nord de la province, Abitibi-Témiscamingue, jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, même Basse-Côte-Nord et la Côte-Nord. Voilà pourquoi aujourd'hui, d'ailleurs, vous retrouvez le soleil, mais les températures sont légèrement plus froides. 2 degrés Saguenay aussi, Rouyn-Noranda, alors qu'hier, on avait des 12-13 degrés là, dans les secteurs plus au nord de la province. Donc, les températures vont chuter aussi pour les secteurs à l'ouest, au sud, au centre et aussi à l'est, mais pour les secteurs sud-fleuve Saint-Laurent, donc du Bas-Saint-Laurent jusqu'à la péninsule gaspésienne. On a de la pluie aujourd'hui par intermittence, par endroit. Quand la pluie cesse, ça devient de la bruine par intermittence. Quelques flocons de neige possibles aussi, mêlés à ces gouttelettes d'eau dans le Bas-Saint-Laurent, Rimouski. Mais honnêtement, il n'y aura pas d'accumulation de neige. Les températures restent quand même toujours au-dessus du point de congélation. Température toujours très agréable, même si c'est un peu plus frais. D'ailleurs, hier, on a encore battu des records de chaleur. Demain, jeudi, 7 degrés, 8 degrés vendredi. Ça va se dégager lentement, mais sûrement. Il va falloir être patient. Demain, jeudi, un ciel généralement couvert. Quoique pour les secteurs vraiment au nord, ceux qu'on a vus à l'écran là, il y a quelques secondes, vous allez encore avoir plein soleil. Pour Montréal, le sud, le centre, direction Québec aussi, c'est vendredi que finalement, ça va vraiment se dégager. Donc, si on se déplace vers la ville de Québec, vous allez voir aussi qu'on va gagner quelques degrés. Température toujours agréable. C'est vrai qu'on va frôler le zéro, mais ce sera quand même toujours au-dessus des valeurs saisonnières. Vendredi, plein soleil. Et ce week-end, on surveille l'arrivée d'une petite dépression, mélange de précipitations. Probablement, s'il y a de la neige, là, ce sera une neige très, très, très fondante. Donc, de la pluie encore. Bon, pour terminer le week-end et entamer la semaine prochaine, température très automnale ou tristounette, comme tu dis très bien, Jean-François. Merci. À tantôt, Géraldine. Tantôt.